Dans la vidéo précédente, nous avons vu que nous étions parvenus à la fin d'un grand cycle cosmique et que nous étions à l'aube d'expérimenter un saut dimensionnel qui nous permettra de poser les pieds sur ce que nous sommes plusieurs à appeler la nouvelle Terre. Mais comment ce processus ascensionnel se fera-t-il concrètement parlant? Pour m'être moi-même posé la question pendant des mois, il me fait grandement plaisir de vous partager le fruit de mes recherches qui m'ont amené à affiner ma compréhension de ce qui nous attend en tant qu'humanité. Encore une fois, nous allons avancer pas à pas ensemble car c'est un thème assez complexe et il est important d'avoir en main chaque morceau du casse-tête. Pour répondre à cette question, nous devons nous référer à cette grande loi universelle qui est la loi du rythme. Cette loi nous enseigne les rythmes de la vie, la cyclicité, le fait que chaque chose est en mouvement. Également liée à la loi de polarité, elle indique que le mouvement se produit entre les deux pôles. Tout ce qui monte redescend, telle la marée nous l'enseigne. Tout comprend un flux et un reflux, l'énergie circule en toute chose, elle s'élève puis elle s'abaisse de nouveau. Ainsi, tout début est précédé d'une fin, toute fin devient un début. Lorsqu'une chose arrive à un point culminant, le mouvement du balancier s'enclenche. C'est ce qui explique le progrès et le recul, la montée et la chute des grands empires, la réussite et l'échec, la connaissance et l'oubli. Elle se manifeste dans la création et la destruction des mondes, dans notre état émotionnel et mental, dans nos prises de conscience et dans nos périodes d'inconscience. Le rythme est la seule constante prévisible, le mouvement infini de l'expression de la vie qui prend de l'expansion et se rétracte pour toujours et à jamais. L'univers a toujours fonctionné de cette manière et ce mouvement de balancier est ce qui explique l'état actuel des choses sur notre planète. Nous sommes parvenus à la fin d'un cycle et nous sommes tel un vieillard sur le point de rendre son dernier souffle. En effet, ce monde de troisième dimension agonise, mais avant de s'éteindre, il nous offre l'opportunité de changer de niveau de conscience afin que nous puissions poursuivre notre route sur une dimension supérieure. Afin de comprendre ce que nous sommes sur le point de vivre en tant qu'humanité, il est important de savoir qu'à chaque fin de cycle, un flot d'informations en provenance du cœur de la galaxie nous est envoyé pour accélérer notre évolution. Celui qui accueille ces nouvelles énergies connaîtra une augmentation de ses capacités cérébrales ainsi qu'une ouverture de conscience sans précédent, lui permettant d'être prêt lorsque le moment sera venu de changer de dimension. Pour cette raison, il nous est demandé de nous purifier et d'ouvrir nos cœurs et nos esprits, sujet que j'aborderai plus en profondeur à la fin de la vidéo. Cela nous permet de recevoir ces codes qui sont porteurs de nouvelles potentialités pour l'être humain et c'est pourquoi on entend bien souvent parler de cette nouvelle humanité qui est sur le point d'émerger. Une humanité qui ne sera plus au service de son petit moi, car elle aura retrouvé cette connexion qui la relie à son soi supérieur.
Il ne sera donc plus question de séparation et de division, mais d'unité et d'équilibre. C'est là le véritable enjeu de la transition que nous connaissons. Retrouver notre puissance intérieure afin d'expérimenter ce saut évolutionnaire qui nous permettra de goûter à la vie d'une manière beaucoup plus aimante et expansive. C'est d'ailleurs ce que redoutent ces êtres de quatrième dimension qui nous gouvernent dans l'ombre. Puisqu'ils sont conscients que nous sommes à l'aube du changement dimensionnel, ils font tout en leur pouvoir pour nous détourner de la vérité. Ils ne peuvent cependant pas avoir d'impact sur celui qui a choisi sa voie avec détermination, force et courage. Nous sommes actuellement parvenus à la phase finale de notre initiation et c'est pourquoi le moment est venu pour chacun d'entre nous de choisir sa voie. C'est d'ailleurs à ce niveau que se situe notre libre arbitre et voici les deux voies qui nous sont offertes. Ces deux voies sont liées à cette loi du rythme dont j'ai parlé précédemment. La première voie, centrée sur autrui, symbolise l'inspire, la montée et l'élévation, alors que la seconde voie, centrée sur le petit soi, représente l'expire, la chute et la descente. Et puisque ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ces deux voies ne sont que le reflet de ce qui se joue dans la dimension d'existence supérieure à la nôtre, soit la quatrième dimension. Au-delà de celle-ci, seule subsiste la voie du service d'autrui, car la prédation a cessé d'exister. La voie involutive du service de soi, SDS, représente donc cette période d'ignorance où nous subissons les grandes lois universelles sans en comprendre les mécanismes sous-jacents, alors que la voie évolutive du service d'autrui, SDA, symbolise cette période d'intégration où nous employons les lois universelles à bon escient. Sachez cependant que dans notre troisième dimension, nous sommes la plupart du temps en mode service de soi, mais nous avons la possibilité de cheminer progressivement vers la voie SDA. Et pour ce faire, il n'y a qu'une façon d'y parvenir, et c'est encore et toujours de se reconnecter à son soi supérieur, autre sujet que je traiterai en fin de vidéo. Pour vous aider à vous positionner, voici un tableau non exhaustif des deux voies qui se présentent à nous en cette fin de cycle. Pour résumer, la voie SDA est une trajectoire évolutive qui nous donne l'opportunité d'effectuer le saut dimensionnel, alors que la voie SDS est un chemin involutif qui nous mène vers le chaos représenté par les cataclysmes de la fin des temps, autre sujet que nous traiterons un peu plus tard. Mais avant tout, je dois vous parler des lignes temporelles, sujet assez complexe à comprendre pour l'esprit humain. J'ai beaucoup réfléchi à cette notion de temps linéaire et j'en suis venu à la conclusion que nous avions tout faux. En fait, lorsque nous pensons de façon linéaire, passé, présent, futur, nous ne pouvons accéder à la véritable compréhension, celle qui nous amène à voir que tout est déjà écrit. Tous les scénarios ont déjà été créés dans l'esprit du Créateur et le jeu de la vie consiste à choisir quel embranchement nous souhaitons prendre. C'est pourquoi j'aime à dire que le passé n'a pas à se répéter éternellement. Dès l'instant où nous prenons conscience que tous les choix nous sont offerts, nous cheminons déjà vers la porte de sortie de cette troisième dimension. En effet, celui qui fait le choix, en son âme et conscience, de cheminer sur la voie du service d'autrui aura la chance de sauter de ligne temporelle lorsque l'occasion nous sera présentée. Il se glissera dans le futur, qui est en vérité déjà réalisé,
alors que celui qui choisit la voie du service de soi restera sur cette ligne temporelle qui se dirige droit dans un mur. Attention cependant, je ne dis pas cela pour faire naître la peur en vous. Simplement, comme je l'ai mentionné, tous les scénarios ont déjà été écrits et c'est pourquoi nous sommes en mesure de prévoir que ce monde est sur le point de s'écrouler. Il ne faut pas être devin, il faut seulement comprendre comment l'univers fonctionne et c'est justement le but de ces vidéos que je partage. À ce sujet, il est primordial de comprendre que le but de cette expérience que nous vivons n'est pas de nous battre ou de lutter contre un système qui est à deux doigts de s'effondrer. Il s'agit plutôt de savoir comment s'extirper de cette matrice artificielle dans laquelle nous sommes maintenus. N'oublions pas que la connaissance libère, alors que l'ignorance, la révolte et la colère nous mènent à notre perte. Ceci étant dit, nous sommes fin prêts à aborder le thème principal de cette vidéo, la nouvelle Terre. Ce concept de nouvelle Terre peut sembler plutôt abstrait si nous continuons de penser en termes de linéarité et c'est pourquoi je vous ai parlé des différentes lignes temporelles. La nouvelle Terre ne doit donc pas être perçue comme une version améliorée de notre planète actuelle de troisième dimension. Elle est plutôt un potentiel de réalité provenant d'un futur déjà réalisé, bien que ce soit à nous de la créer. Pour vous aider à mieux comprendre, vous devez savoir que chaque planète de troisième dimension où la dualité est présente a sa propre jumelle qui coexiste dans les dimensions supérieures. Cette jumelle constitue un potentiel de création et elle est destinée à émerger progressivement de l'éther lorsqu'un nombre suffisant de personnes se sera connecté à elle dans le but qu'elle devienne notre nouvelle réalité. C'est pour cela que je dis que c'est à nous de la créer. Plus il y aura de personnes qui se relieront à elle par le cœur, plus vite elle se densifiera. C'est justement au cours de ce processus de co-création qu'arrivera le moment où nous pourrons sauter de lignes temporelles. Les deux terres coexisteront dans notre réalité pendant un certain temps et ceux dont la fréquence vibratoire concordera avec celle de la nouvelle terre pourront s'extirper de cette matrice et poursuivre leur route dans la dimension supérieure. Ils auront la chance de débuter un nouveau cycle d'évolution cette fois-ci et non d'involution, et ils vivront dans un environnement différent de celui que nous connaissons actuellement. Un monde beaucoup plus harmonieux, équilibré et prospère, où les valeurs humaines seront mises à l'honneur. Pour les personnes cartésiennes et rationnelles, la nouvelle Terre peut sembler être un fantasme, une illusion de plus à laquelle certains s'accrochent. Cependant, elle n'est que la manifestation de notre désir intérieur de croissance, et comme l'univers répond toujours à nos requêtes qui proviennent du cœur, elle se matérialisera pour accueillir les personnes qui ont choisi la voie du service d'autrui. Maintenant, concrètement parlant, comment la transition se fera-t-elle? Allons-nous nous réveiller un beau matin dans un nouveau monde? Comme nous l'avons vu, l'univers est régi par des cycles que nous pourrions comparer à des boucles temporelles qui se succèdent jusqu'à ce que nous ayons compris et intégré les leçons. En d'autres termes, ces boucles temporelles tournent en nous présentant différents scénarios pour nous permettre de croître et d'évoluer. Ce mécanisme, lié à la loi du karma, stipule que toute cause produit un effet. Ainsi, si nous changeons la cause, nous changeons l'effet. Lorsque cela advient, la boucle se termine et nous pouvons passer à la prochaine étape. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous devons apprendre de nos erreurs du passé, sinon le même scénario se reproduit sans arrêt. Einstein le disait en ces mots, « La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Ce grand homme avait compris que l'univers fonctionne selon certaines règles qui sont incontournables et c'est pourquoi nous pouvons affirmer qu'il existe un grand plan qui se déroule continuellement de la même manière. Certains perçoivent ce plan comme une fatalité, mais je préfère le voir comme une occasion de progresser et de parvenir à une certaine maîtrise. Pour faire le lien avec le processus ascensionnel, nous pouvons prévoir de quelle façon il se produira, car le mécanisme est toujours le même lorsque l'humanité parvient à la fin d'un cycle. Pour schématiser, la transition s'effectuera en deux temps.
D'abord, il y aura une première séparation entre les personnes qui ont choisi la voie du service d'autrui et celles qui ont choisi la voie du service de soi, cette séparation étant déjà perceptible au sein de nos relations. Pendant cette période, le monde SDS continuera d'involuer et s'enfoncera davantage dans la noirceur, alors que le monde SDA se détachera tranquillement de cette sombre réalité. À un certain moment au cours du processus, les deux réalités s'imbriqueront pour ensuite se dissocier complètement. C'est à ce moment qu'aura lieu la seconde scission qui s'opérera sur la base de notre fréquence vibratoire. En d'autres termes, les personnes qui auront suffisamment élevé leur vibration entreront en résonance avec la nouvelle Terre et elles basculeront sur une autre ligne temporelle. Nous verrons un peu plus tard comment ce basculement s'effectuera, mais pour l'instant, observons les deux scénarios possibles selon la voie choisie. Voyons à présent en détail le scénario qu'expérimentera celui qui a choisi la voie évolutive. L'onde de changement est une impulsion d'énergie émise par les consciences supérieures et elle est générée à chaque fin de cycle lorsqu'il y a un trop grand déséquilibre dans notre monde de troisième dimension entre les forces évolutives et les forces prédatrices. Cette onde part du centre galactique et se déplace telle une immense vague qui, lorsqu'elle atteindra son apogée, amplifiera l'état vibratoire de toutes les formes de vie sur Terre. Cette soudaine hausse vibratoire produira des effets bien différents selon le travail qui a été accompli. Celui qui n'est pas préparé à la recevoir sera impacté négativement, alors qu'elle aura des effets bénéfiques et libérateurs sur la conscience de celui qui a entrepris un réel travail sur soi. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends un travail en profondeur, dans la plus grande intimité et en toute authenticité. Cela demande à la fois beaucoup d'humilité et une grande force de caractère, et c'est pourquoi il n'y aura qu'une partie de l'humanité qui réussira à ascensionner. Quant à l'autre partie de l'humanité, elle ne parviendra pas à se libérer et restera donc prisonnière d'une autre boucle temporelle. Ce n'est pas une punition cependant. Simplement la conséquence des choix que ces personnes ont faits, car les grandes lois universelles ne peuvent pas être contournées. En entamant un autre cycle de réincarnation dans un monde de troisième dimension, ces personnes auront la chance de faire d'autres choix, si elles le désirent, et d'apprendre les leçons qui leur permettront, dans le futur, d'ascensionner à leur tour dans les dimensions supérieures. Pour en revenir à cette vague d'énergie qui s'apprête à déferler, vous devez savoir qu'elle produira un renversement rapide du spin du champ magnétique terrestre. Ce phénomène d'inversion magnétique est un phénomène récurrent dans l'histoire de l'humanité et aura pour effet d'ouvrir les portes de l'ascension. En effet, c'est lors de ce renversement des polarités terrestres que nous basculerons sur une autre ligne temporelle, car nous voyagerons à travers les nanotrous de verre que comporte notre ADN. Ce sera donc davantage un voyage intérieur qu'un transfert spatial, et c'est pourquoi nous nous retrouverons dans un environnement assez similaire au nôtre, mais dont les fréquences seront plus élevées. Dans son livre « Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre », voici comment Dolores Cannon nous décrit ce nouvel environnement ainsi que la manière dont s'effectuera le passage. Les gens qui vont aller dans la nouvelle dimension vont traverser pour entrer dans ce nouveau monde. Nous passons dans ce qui semble être cette Terre, mais comporte des couleurs et des textures différentes. À première vue, cela paraît identique, mais seulement à première vue. Et puis, quand nous regardons autour de nous, nous commençons à voir que ça ne l'est pas. Cela change devant nos yeux et c'est magnifique. Nous ne pouvons pas répondre à cette question de façon précise car les portes de l'ascension s'ouvriront lorsqu'un nombre suffisant d'hommes et de femmes auront choisi de cheminer sur la voie du service d'autrui. Puisque ce grand événement cosmique est en lien avec la conscience collective, c'est uniquement lorsque nous aurons atteint la masse critique qu'il se déclenchera et personne ne peut prédire quand cela aura lieu.
Cependant, nous observons depuis quelques années un changement dans l'énergie ainsi qu'une diminution du champ magnétique terrestre, signe avant-coureur de la transition. D'ailleurs, cet affaissement du champ magnétique fait remonter à la surface nos charges karmiques, nos blessures d'âme, nos peurs, bref, tout ce que nous devons libérer. C'est donc une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte depuis les dernières années et c'est pourquoi l'important n'est pas d'avoir une date précise, mais de se concentrer sur ce travail de libération émotionnelle. Voyons à présent le scénario qu'expérimentera celui qui a choisi la voie involutive du service de soi. Ce n'est pas un secret pour personne que le monde SDS est en déclin. Développement du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, corruption de toutes les strates de la société, dérèglement climatique, épidémie, mort de certaines espèces animales, menace d'une troisième guerre mondiale. Malgré ces nombreux signes qui laissent présager un chaos planétaire, la plupart des gens continuent de vaquer à leurs occupations de toutes sortes et n'ont que faire de tous ces avertissements. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce qu'ils ne sont pas impactés dans leur réalité quotidienne. Mais qu'arriverait-il si une météorite venait à transpercer leur toit et à atterrir dans leur lit? Une Canadienne a vécu l'expérience dernièrement et voici ce qu'elle en dit. « Je suis abasourdie par le fait que c'est un morceau d'astre qui est tombé du ciel. La seule autre chose que je peux dire, c'est que la vie est précieuse et qu'elle peut disparaître à tout moment, même si vous pensez être en sécurité dans votre lit. J'espère ne plus jamais, jamais la prendre pour acquise. » Ce témoignage nous démontre qu'à tout moment, notre vie peut basculer, d'autant que nous entrons dans cette période que les prophéties bibliques nomment les tribulations de la fin des temps. Selon les textes sacrés, de grandes catastrophes, telles des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des impacts cométaires massifs, marqueront cette période tumultueuse comme c'est le cas à chaque fin de cycle. En effet, des catastrophes planétaires ont toujours jalonné la fin des temps comme ce fut le cas en Atlantide, et c'est pourquoi il n'est pas difficile de prévoir ce qui attend celui qui n'a pas appris des leçons du passé. Le cycle karmique se répète tant et aussi longtemps que les humains désavouent le fonctionnement de l'univers. Voici donc, de façon imagée, ce qui s'abattra sur nos têtes lors des tribulations. J'ai bien conscience que pour certains, ces images peuvent déclencher de vives émotions, mais si j'ai choisi de vous les partager, c'est pour que vous ayez toutes les informations afin de vous positionner. C'est donc ce qui nous attend sur cette ligne temporelle, une destruction quasi totale de l'humanité et tous ceux qui seront sur cette trajectoire au moment des tribulations se réincarneront par la suite à l'âge d'or qui, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, n'est rien d'autre que le recommencement d'un cycle de dualité dans un monde de troisième dimension. Il ne faut cependant pas désespérer car une multitude d'âmes de sixième dimension sont venues nous assister en cette fin de cycle. Comme nous venons tout juste de le voir, la ligne temporelle du monde service de soi connaît toujours la même fin.
guerre, écroulement de la société, catastrophe naturelle, et c'est pour que l'humanité évite ce scénario apocalyptique que plusieurs âmes se sont incarnées à notre époque. Ces âmes proviennent des dimensions supérieures et c'est pourquoi elles sont naturellement portées à cheminer sur la voie du service d'autrui. En effet, elles portent en elles des mémoires de ces autres mondes dans lesquels elles ont évolué et elles sont venues pour nous accompagner lors de cette grande transition planétaire. Elles œuvrent à tous les niveaux avant que l'ascension finale n'ait lieu et cela dans le but qu'un plus grand nombre d'êtres humains parviennent à mettre fin au cycle de réincarnation. Cependant, ces âmes courent un grand risque en quittant les dimensions supérieures pour s'aventurer ici-bas, car elles sont soumises au même voile de l'oubli que le commun des mortels. C'est pourquoi je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite et qui s'intitule « Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre », vidéo basée sur le livre de Dolores Cannon. Si vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo-ci, il y a de fortes chances que vous fassiez partie de ces âmes qui sont venues pour aider l'humanité. Puisque mon intention est non seulement de vous informer des événements à venir, mais également de vous fournir des indications claires et précises afin d'être prêt à ascensionner lorsque le moment sera venu, je me dois d'aborder ce sujet qu'est la transformation intérieure. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, à l'aube du changement dimensionnel, c'est la seule chose qui a de l'importance et c'est pourquoi je vous invite à y accorder une attention particulière. Je vais donc vous présenter trois clés qui sont liées entre elles et je vous laisse le soin de les appliquer dans votre quotidien. Comme nous l'avons vu, nous recevons actuellement une aide considérable de la part de ces âmes volontaires qui nous accompagnent lors de la transition, mais ce n'est pas l'unique aide que nous recevons. Afin d'être certain qu'une partie de l'humanité réussisse son ascension, des êtres en provenance des dimensions supérieures ont implanté ce qu'on appelle des gènes christiques au sein du génome humain. Ces gènes ont pour but d'améliorer le processus d'épigénétique, nous donnant ainsi accès à des potentialités jusqu'ici insoupçonnées. Toute personne dotée d'une âme est donc porteuse de cette séquence et elle peut être réactivée lorsqu'on entreprend une démarche sincère. En d'autres termes, pour éveiller nos gènes christiques, nous devons nous plonger en nous et travailler à notre guérison et libération intérieure. Nous devons réexaminer notre système de croyances et éradiquer toutes celles qui nous limitent, car un changement de dimension passe automatiquement par un changement de notre état de conscience, donc de croyances. Comme nous l'avons vu, lorsque les portes de l'ascension s'ouvriront, nous aurons l'occasion de voyager dans les nanotrous de verre de notre ADN pour aller rejoindre une autre ligne temporelle qui débutera sur une nouvelle dimension d'existence. Nous comprenons donc le rôle que notre ADN a à jouer dans ce processus et c'est pourquoi nous devons travailler à élever notre niveau de conscience, car toute augmentation de conscience impacte positivement le processus épigénétique. Encore une fois, tout est lié. Par ailleurs, en écoutant cette vidéo, vous travaillez déjà à votre ouverture de conscience car vous êtes en train de laisser tomber certaines croyances qui vous reliaient à la troisième dimension. C'est ce que j'ai moi-même expérimenté lorsque je suis allée chercher les informations que j'avais besoin pour comprendre plus en profondeur le processus d'ascension. J'ai laissé derrière moi tout un tas d'illusions et de croyances erronées, mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pour intégrer ces nouvelles informations que je recevais, j'ai dû avant toute chose accepter le fait que je me sois trompée à bien des égards. En effet, comme la plupart des gens qui cheminent sur la voie spirituelle, je suis tombée dans de nombreux pièges qui font partie de notre monde SDS, dont le piège du New Age. Cependant, cela m'a permis de gagner en discernement, car aujourd'hui, je ne fais confiance qu'à une chose, mon soi supérieur. Très peu de personnes sont au courant que cette expérience 3D que nous vivons est une expérience génétique et que le but est de faire évoluer notre génome pour nous ouvrir à de nouvelles réalités d'existence. Pour ce faire, nous devons nous positionner dans un état de réceptivité et de disponibilité afin d'accueillir les messages et les épreuves qui nous sont envoyés par notre soi supérieur. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, notre soi supérieur représente l'aspect le plus élevé de notre identité et c'est pourquoi nous pouvons toujours nous y fier.
D'ailleurs, il ne cesse de nous guider en nous proposant des expériences qui ont pour but d'ouvrir notre conscience, alors que notre mental ego nous parle plutôt en termes de limitation. Pour cette raison, je vous invite à adresser les requêtes que vous pouvez avoir non pas à une entité extérieure, mais à vous-même. Plus vous vous exercerez à demander le soutien de votre soi supérieur, plus la connexion se renforcera et plus les informations vous parviendront. Par ailleurs, en faisant appel à ce grand maître, vous obtiendrez naturellement de nouveaux codes génétiques qui proviennent d'une ligne temporelle future. Ces codes, qui impacteront de façon positive votre ADN, vous permettront de sauter de ligne temporelle au moment du basculement et c'est alors que vous pourrez poser les pieds sur la nouvelle Terre. Pour terminer, il me fait plaisir de vous partager ma vision de ce que cette nouvelle Terre sera et j'espère que ces images vous donneront l'élan nécessaire pour co-créer cette nouvelle réalité avec moi. Ces quelques années passées sur la nouvelle Terre m'avaient amené à connaître de manière très intime la vérité qui réside derrière toute existence. Cette vérité, nous lui avons donné plusieurs noms au fil du temps. Dieu, Allah, Bouddha, l'infini, l'absolu. Or, ces différentes appellations désignent toutes la même chose et se réfèrent à la source de notre être, à nos origines créatrices. Se relier à cette vérité est d'ailleurs le but ultime de toute vie, car dans les moments transcendants où cela advient, nous retrouvons cette magie que nous croyons avoir perdue. Cette magie qui transforme notre quotidien et qui permet à nos espoirs et à nos rêves de croître tout en enrichissant la vie des autres. C'est cela que je retiens de mon passage dans la cinquième dimension. Lorsque nous œuvrons avec un cœur serein et joyeux, en permettant à la source de guider chacun de nos pas, alors partout où nous allons, nous répandons cette force d'amour qui est à l'origine de tous ces mondes que je m'apprêtais à découvrir. En jetant un dernier regard sur ce que nous venions d'accomplir, mes amis et moi, je réalisais que ceux qui sont restés en arrière n'ont vraiment aucune idée de l'avenir grandiose qui les attend derrière le voile de l'illusion. Certains peuvent en avoir un aperçu fugace, mais cela ne représente qu'un pâle reflet de ce que la vie nous réserve à tous comme expérience. À tous ces gens qui ont choisi de rester, j'aimerais leur dire ceci. Puissions-nous nous retrouver un jour de l'autre côté.